Nous sommes toujours dans la thématique filiation ce soir. Et donc deux moments qui vont être très touchants, je pense. Donc d'abord un film de Charlotte Slovak, Retour à Ujda, dont Nourit a fait donc, un photo, qui était un film de 1987. Et puis l'émission d'Inart, d'Arte, une émission qui a duré 10 ans et pour laquelle Nourit Aviv a souvent collaboré. Donc je suis ravie d'accueillir Charlotte Slovak, qui va vous dire quelques mots de son film, et puis Paul Oisan, donc, qui est le réalisateur et producteur de cette émission. Voilà, donc je leur laisse la parole, et peut-être aussi à Nourit, si elle veut dire quelques mots, pourquoi ce choix et cette aventure avec ces deux réalisateurs. Alors, je vous... Merci d'être venu à cette projection, enfin, qu'on partage Paul et moi, donc la moitié est venue pour Paul et l'autre moitié, les deux. Ouais. Beaucoup ont déjà vu ce film, qui est un vieux film qui était passé sur la 7 Arte, préfiguration d'Arte, d'ailleurs, grâce à Paul. Et c'est vraiment, donc c'est une magnifique occasion de le remercier encore une fois, parce que il est venu en fin de montage, je crois que tu venais d'arriver d'entrer à ce qu'ils appelaient pas encore Arte. Et voilà, il m'a dit, je veux dire, mes parents sont de Tlemcen et ça leur fera plaisir de voir ce film. Donc je te remercie encore, Paul. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Tlemcen, c'est une petite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est une ville qui se trouve en Algérie, pas très loin de la frontière marocaine, et qui a été très longtemps, qui a été pendant des siècles un foyer de culture juive, de culture religieuse très réputée. Il y avait d'ailleurs une sorte de proverbe dont je me souviens, c'est qu'on disait les filles à marier, il faut aller les choisir à Tlemcen parce qu'elles ont une main sur le piano et l'autre sur le couscous. je remercie Nourit, bien sûr. Alors il y aura avant le film un tout petit film de 2 minutes. J'étais sur mon père, quand je suis revenue à Ujda pour tourner, on était constamment arrêtés dans la rue par des gens qui venaient me parler de mon père, qui avait disparu, qui avait quitté déjà Ujda depuis longtemps. Et c'était quelque chose de très émouvant, parce que moi je ne connaissais pas la plupart du temps ces gens, je ne les reconnaissais pas, et eux me connaissaient. Oui. Parce que c'est un médecin, voilà. Mais bon, vous allez le voir dans ce petit film qui est un film tourné muet avec une petite caméra. On m'a demandé pourquoi j'ai mis vous deux ensemble, mais maintenant je sais. Voilà. Je ne savais pas ce que je vais dire, mais maintenant je sais. Mais je pensais que ça... Je ne sais pas, je pensais que ça va bien ensemble. Il y a le père, hein, père-fille, mère-fille, ça va bien ensemble, non? Oui, c'est... J'ai connu vraiment le vieux docteur slovaque qui était adorable et je lui parlais, je crois, en allemand. Parce que je ne savais pas l'hongrois. C'est vrai que cette rétrospective, enfin, en ce qui me concerne, est faite de hasard très très heureux et étrange en tout cas. D'abord de voir d'être programmé le même jour que Charlotte, c'est vrai que c'était en 1986 que j'avais vu ce film en... Il dit que c'est grâce à moi, enfin elle est très gentille, mais moi je n'ai fait qu'apporter la dernière pierre à ce très bel édifice, c'est un film magnifique, et c'est vraiment étrange donc voilà, de se retrouver ici. Donc c'est vrai qu'avec Nourit, on a souvent travaillé pour Dinart. D'ailleurs c'est une émission très particulière, qui a duré 10 ans, c'est une sorte de laboratoire comme ça, j'ai envie de dire comme à ciel ouvert, comme on dit, une mine est à ciel ouvert. Et, et,
Et j'ai eu donc cette chance la chance de faire cette émission. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec Nourrit. Et alors on avait ce luxe incroyable avec Nourrit, que j'ai eu pendant ces 10 ans, c'est que soit l'un d'eux avait une intuition et on se disait on va le faire, mais on n'est pas certain du tout que ça donnera quelque chose. On a eu ce luxe de pouvoir faire des choses sans être certain de savoir si ça allait aboutir ou pas. Et donc ça c'est... voilà, donc cette émission n'existe plus, mais bon, on fait d'autres choses et puis j'espère qu'on fera d'autres choses. Et donc c'est une émission un peu particulière, donc il faut la regarder, il faut baisser la garde, il faut se laisser aller. C'est pas du tout une émission avec des courts-métrages qui se suivent les uns derrière les autres. Ce que vous allez voir, la relation mère-fille, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que ce que j'avais demandé, là, c'était... J'avais eu cette petite idée d'imaginer une relation comme ça, filmée entre une mère et une fille, à partir d'une photographie que j'avais vue et qui m'avait inspiré. Et il n'y avait que Nourrit qui pouvait le faire. Et je crois que j'ai pas eu tort. Voilà. Donc, ce qui est très étrange, c'est que pourquoi des hasards heureux, c'est-à-dire que le dernier film de Nourrit s'appelle La poétique du cerveau. Et le deuxième Dinard que Nourrit a bien voulu diffuser, programmé, qui sera diffusé dans 2 ou 3 jours, je crois, est en rapport assez direct avec ça. Voilà. Et voilà, donc c'est jamais bien ce genre de choses. Voilà. Merci Nourrit. Merci à vous. Il était arrivé de Hongrie dans les années 30, chassé par le nazisme. Il avait voulu franciser son nom et son prénom pour que l'on puisse lire plus facilement la plaque à côté du portail. En supprimant le Z de Slovaque, et Imre était devenu Émeric, qui n'était pas plus français pour autant. Il n'avait plus quitté le Maroc, ni cette ville, Oujda, dont il faisait partie. Heureusement que mon fils m'a dit non maman, ça si tu ne lis pas tu vas y aller à Oujda. Dieu merci, moi j'ai rien eu. Et il est sauvé lui et ses enfants. Dieu merci. C'est tout ce que je souhaite. Que mon fils a été sain et sauf et que je suis venu faire le pèlerinage. À l'année prochaine. Voilà. Thank you.